السلام الله عليكم، مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. سأقدم لكم في هذا الفيديو نموذج الاختبار في مادة اللغة الفرنسية للفصل الثالث، وسأترك لكم مطبوع هذا النموذج على شكل PDF في صندوق الوصف للطباعة. سأقرأ النص le texte dans le jardin. Aujourd'hui c'est samedi, les enfants sont dans le jardin. Shafiq joue avec son chien. Louisa dessine un joli poussin. سأشرح لكم كلمات النص بالعربية. Dans le jardin, في الحديقة. Aujourd'hui, اليوم, c'est samedi, هو السبت. Les enfants sont dans le jardin, الأطفال في الحديقة. Shafiq joue avec son chien. Shafiq يلعب مع كلبه. Louisa dessine un joli poussin. Louisa ترسم صوص جميل. Les questions, l'asila. Premièrement, complète du texte. Le titre est. هنا كمل من النص. العنوان النص هو. إذا هنا في أعلى النص نلقى عنوان النص هو dans le jardin. سأكتب dans le jardin. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Aujourd'hui c'est jeudi. إذن cette phrase est fausse. هنا يمكن جو نرجعو للنص نلقاو aujourd'hui c'est samedi. Donc cette phrase est fausse. نكتبو حنايا faux. Shafiq joue avec son chien. Oui, c'est vrai. Troisième question complète par un ou un. هنا un um, un ein, un ain et un in. Donc la première image, le pain. Le pain, c'est écrit P-A-I-N. Le lapin. Le lapin, c'est écrit L-A-P-I-N. Et la troisième image, la ceinture. La ceinture, c'est E-I-N-T-U-R-E. Et la dernière image, le parfum. Le parfum, c'est écrit P-A-R-F-U-M. Quatrième question. Remplace les mots soulignés par elle ou il. Shafiq joue avec son chien. Donc, je remplace Shafiq par il ou elle. Donc, Shafiq, c'est un nom masculin. Donc, je vais remplacer Shafiq par il. Il joue avec son chien. Louisa dessine un joli poussin. Louisa, c'est un nom féminin, donc je vais remplacer Louisa par elle. Elle dessine un joli poussin. Cinquième question complète au féminin. أكمل بالاسم المؤنث. Le chien, le nom féminin du chien, c'est la chienne. La cinquième question complète le texte par les mots suivants. أكمل النص بالكلمات التالية. Cheval, jouet, fromage. Donc, si je dis, Shafiq va au supermarché avec ses parents, papa achète du rouge, les enfants cherchent des, Farida veut la petite poupée, Shafiq préfère le blanc. Donc, si je dis, إنه الخميس, Shafiq va au supermarché avec ses parents, Shafiq ذهب إلى supermarket مع والديه. Le papa achète du, الأب اشترى du fromage rouge, الجبن الأحمر. Les enfants cherchent des, الأطفال يبحثون عن ماذا على عن des jouets, اللعب. Farida veut la petite poupée, Farida تريد الدمية الصغيرة. Shafiq préfère le cheval blanc, وشفيق أراد الحصان الأبيض. إذن إلى هنا نكمل معكم هذا النموذج، نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.